Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la salle des actes. C'est là où l'Institut Pasteur a été inauguré. Pourquoi l'Institut Pasteur? Parce que Pasteur avait tellement bien réussi à traiter la rage que des gens venaient de l'Europe entière et même d'Amérique pour se faire soigner. Donc les anciens laboratoires ne suffisaient pas, il fallait créer un institut. Des gens du monde entier, à la fois des tsars, des empereurs et puis des gens très modestes, ont apporté de l'argent. Donc on a créé un Institut Pasteur. Et aujourd'hui, 130 ans après, l'Institut Pasteur est plus vivant que jamais. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur, c'est 5000 personnes réunies sur tous les continents, dans plus de 30 centres. Et quelles sont les missions de ces 5000 personnes? C'est de chercher, transmettre les connaissances, et tout ça au service du soin des hommes et des femmes.